Autre aspect de l'actualité ce soir au Palais de la démocratie, la Banque des États de l'Afrique centrale a initié une journée d'information à l'intention des élus du peuple. C'était pour sensibiliser les députés sur les activités et les actions de la Banque en faveur du Tchad. La séance a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, en présence du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Mahamat Todi. Amat Garasta, reportage. Abbas Mahamat Todi est venu échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur les sujets d'intérêt commun entre l'Assemblée nationale et la Banque des États de l'Afrique centrale. Après cette entrevue, s'en est ouvert la journée d'information et de sensibilisation sur les activités de la Banque des États de l'Afrique centrale. Une journée qui vise à édifier les élus du peuple sur les activités de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le but ainsi visé est non seulement de renforcer l'efficacité de la politique monétaire par un ancrage nominal renforcé de celle-ci, c'est-à-dire une capacité accrue de la population à interpréter adéquatement les signaux envoyés par la Banque centrale, mais également de satisfaire l'obligation de reddition des comptes qui incombe à toute Banque centrale moderne, contrepartie de l'indépendance qui lui est accordée. Du reste, la Banque centrale fournit déjà un flux d'informations aux États membres de la CEMAC ainsi qu'au public de la communauté CEMAC, notamment à travers les communiqués exhaustifs qu'elle publie à l'issue des réunions de ses organes de décision, plus particulièrement le comité de politique monétaire. De fait, la communication de ces jours devant l'Assemblée nationale tchadienne s'inscrit en droite ligne des dispositions du nouveau statut de la banque adopté cette année qui invite le gouverneur de la Banque centrale à présenter régulièrement des communications devant les parlements nationaux. Cette journée vise également à informer la représentation nationale sur les éléments techniques, institutionnels, juridiques, financiers de cette institution ainsi que ses enjeux économiques dans la sous-région d'Afrique centrale. À l'issue de cette journée d'information, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a salué l'initiative du gouverneur de la BEAC. Un extrait de ses propos. La tenue de cette journée d'information est donc très bénéfique, dans la mesure où nous avons voulu qu'elle se tienne à un moment où mesdames et messieurs les députés seront amenés dans les tout prochains jours à se prononcer sur la loi de finances portant budget général de l'État pour l'année 2018. C'est le lieu indiqué pour mesdames et messieurs les députés de connaître les activités de la BEAC, qui est un établissement public international africain régi par la Convention de l'Union monétaire de l'Afrique centrale et la Convention de coopération monétaire passée entre la France et les États membres. Je voudrais ici relever pour m'en féliciter que cette heureuse initiative du gouverneur de la BEAC vise à donner à mesdames et messieurs les députés les éléments à la fois techniques et institutionnels, juridiques et financiers, pour mieux comprendre le fonctionnement de cette importante institution financière et les enjeux économiques et financiers de la sous-région Afrique centrale. Le Tchad, à travers la Confédération des organisations professionnelles des pasteurs et acteurs de la filière bétail au Tchad, a pris part à une foire internationale du bétail qui a eu lieu du 18 au 20 décembre dernier en Ngaoundéré au Cameroun. Le président de la Confédération, au cours d'un point de presse, a donné des détails sur la participation du Tchad. Suivez. Cette foire qui s'est déroulée du 18 au 20 décembre en Ngaoundéré au Cameroun a vu la participation de 15 pays. Elle a été une occasion pour la délégation que j'ai conduite de présenter les différentes races de cheftels qui font partie des richesses du Tchad. La délégation a au cours de cette foire bénéficié des riches expériences des autres pays dans les domaines de transformation des produits laitiers, de l'alimentation du bétail, des métissages des races d'animaux, mais surtout des expériences sur l'organisation des marchés à bétail et la formation de la main-d'œuvre travaillant dans les abattoirs. Nous profitons de l'occasion pour remercier le CBVIRA qui a soutenu la participation de la Confédération des organisations professionnelles, des pasteurs et acteurs de la filière bétail au Tchad à cette foire internationale.
Le président du Conseil national de concertation des producteurs ruraux au Tchad a dressé au cours d'un point de presse le bilan des activités de l'exercice 2017. Extrait. Le Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad est un cadre de concertation et d'action qui œuvre pour la promotion de et la défense des intérêts de ses membres. Le CNCPRT, en tant qu'organisation fêtière, a contribué au renforcement des capacités des producteurs sur les différentes thématiques de développement, à savoir le suivi des activités et le suivi budgétaire. Cela dans le cadre du programme d'appui aux organisations paysannes d'Afrique, PAOPA, piloté par FIDA et la PROPA en Afrique centrale, et du projet sur les politiques publiques de sécurité alimentaire et de transparence budgétaire au Tchad, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Oxfam, l'Association des femmes juristes du Tchad et le CNCPRT. Fin hier de la Semaine nationale de la langue arabe et organisée par l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Centre national de recherche pour le développement. Les participants ont adressé à cette occasion une motion spéciale au président de la République et en lui demandant l'institutionnalisation donc de la Semaine nationale par le gouvernement. Moussa Mboudou Abdoulaye. La semaine dédiée à la langue arabe s'achève. Des conférences, débats, des journées culturelles et la nuit des poètes sont entre autres les temps forts de l'événement. Des attestations ont été remises aux institutions, aux établissements scolaires et aux personnalités qui ont contribué à l'éclosion de la langue arabe. Aussi, une mention spéciale est adressée au président de la République Idriss Déby Itno pour ses efforts à l'application du bilinguisme au Tchad. Au nom du comité d'organisation de la Semaine nationale de la langue arabe, Gamar Mohamed Gamar a rendu un hommage mérité aux intellectuels arabophones qui se soucient de l'avenir de la langue arabe. Pour lui, la Semaine nationale de la langue arabe revêt une importance capitale. Pour le deuxième vice-président de l'Union générale des institutions du soutien à la langue arabe, Ahmad Abakar Saleh, la particularité de cette année est que la semaine de la langue arabe est célébrée dans les provinces. Ahmad Abakar Saleh encourage les francophones à l'apprentissage de la langue arabe en tant que langue des sciences et langue officielle du pays. Santé à présent à la Croix-Rouge du Tchad à travers le projet nettoyage et changement de comportement. Changement de l'environnement organisé à Koumra dans le Mandoul, une formation dans le cadre de la lutte pour l'élimination de l'Atracom. Cette formation est faite au profit des animateurs locaux. Idriss Oumar Idriss. Des matériels audiovisuels et d'autres accessoires ont été remis au comité de Croix-Rouge de cette région du Sud. Le tout s'évalue à une trentaine de millions de francs CFA injectés dans le cadre de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement. Le Mandoul, qui sert aujourd'hui de cadre au lancement de ce projet, il faut le dire sans complaisance, est une région élite. Je dis bien une région élite en matière de délivrance des biens et services publics. Ce privilège s'explique par sa capacité à collaborer et à participer à la mise en œuvre des interventions exogènes, pour ne pas dire ses longues expériences. Les projets dénommés NCC, bien entendu, nettoyage et changement de comportement, lutte pour l'élimination du TRACOM. Pour mener à bien cette lutte, ces projets a formé 27 membres du comité de Croix-Rouge durant 4 jours. Ils viennent des régions du Mayo-Kibi, de la Tandilé, des deux Logones, de Mouanchari et du Mandoul. Fin de la 6e édition du Salon des arts appliqués de l'entrepreneuriat. Durant 2 semaines, les artisans tchadiens et ceux de la sous-région ont exposé leurs produits artisanaux. C'est le jardin de l'Institut français au Tchad qui a servi de cadre à la cérémonie. Mohamed Omar Moursal. Semaines durant, les artisans ont eu à valoriser leurs talents et leur savoir-faire. Ils ont débattu des problématiques de l'organisation et de la gestion des entreprises artisanales. Contrairement aux années précédentes, la 6e édition de ces salons a rencontré des difficultés. La 6e édition, malgré les difficultés, a pu avoir lieu
grâce aux appuis tant physiques, moraux, financiers, techniques et matériels, de l'inauguration jusqu'à la clôture durant 2 semaines, sous les intempéries, dans des conditions difficiles, défavorables et mévantes des œuvres et des produits exposés. Les partenaires de ces salons des arts appliqués et de l'artisanat exhortent la jeunesse à embrasser le métier d'artisanat qui, pour eux, est un métier d'avenir. Les membres de la Fondation Helping Hand ont célébré la fête de Noël avec les nouveaux-nés et les orphelins de la ville de Koumra dans le Mandoul. Kadno Batiofil. On me fait signe que l'élément n'est pas prêt. Passons à la 11e édition du festival Ndjamvi qui s'est achevé le week-end dernier à Koumra, toujours dans le Mandoul. Les artistes qui se sont distingués dans les différentes catégories en compétition ont reçu leur prix. Kano Batiofile. Sous le thème identité musicale et universalité musicale, la 11e édition du festival Ndjamvi, qui a mis aux prises 45 artistes musiciens de différentes catégories, a rendu son verdict ce dimanche 24 décembre à Koumra, chef-lieu de la région du Mandoul. Après 72 heures de compétition, Ronel Tordibaï s'impose en world music. Albo Filbert tire son épingle du jeu chez les jeunes talents. Obéissance Mbairesem triomphe en hip-hop. Et Ousmane, alias Mayonnaise, arrache la palme d'or en musique arabe. Le maire de la ville de Koumra s'est réduit du choix porté sur sa commune pour l'organisation de cette manifestation culturelle. Avis partagé par le secrétaire général régional du Mandoul. Vous conviendrez avec moi que la paix, la cohésion sociale, le développement socio-économique d'une nation qui s'impose passe par une bonne promotion culturelle et artistique. Le directeur artistique de Ndjamvi se réjouit de la réussite de cette manifestation. Ces distinctions sont pour le comité du festival Ndjamvi une manière de susciter en eux de la créativité, de la recherche afin de mettre en valeur l'identité de nos ressources musicales. Manassé Nginambay Ndoa exhorte les artistes musiciens des provinces et de la capitale de se manifester massivement pour la prochaine édition. Parlant des prix, justement, l'association des enfants de Toumaï pour le développement a remis des prix d'excellence aux meilleurs élèves de différentes écoles et lycées de la capitale. Le président de l'association, Abakar Djoufoun, qui a signifié donc que son association sera toujours aux côtés du gouvernement pour encourager l'excellence en milieu scolaire. Ouverture de la 2e édition du championnat national U17. 8 équipes sont engagées. Déjà au match d'ouverture, Mossoro a eu raison de l'équipe de Moundou. Score de la rencontre, 3-2. Reportage, Diano Ginestor. C'est parti pour la 2e édition du championnat national des jeunes de moins de 17 ans. Une initiative qui vise non seulement au brassage des jeunes, mais aussi et surtout à détecter les meilleurs jeunes talents du pays. Les jeunes dénichés seront formés pour intégrer l'équipe nationale, les SAO cadets. Pour le président du comité d'organisation, Modoubé Kari, le développement du sport dans un pays passe nécessairement par l'investissement dans la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs se réjouit de la détermination des responsables de la Fédération tchadienne de football association et la FIFA pour cette initiative combien louable. Le match de levée des rideaux de ce rendez-vous sportif a mis aux prises l'équipe de Moundou en blanc à celle de Moussoro en bleu. D'entrée de jeu, les deux équipes ont montré au public un bon niveau de jeu sur le plan technique comme physique. 0-0 à la première partie. De retour, ce sont les Moundoulais qui ont pris le match en main. Ils ouvrent le score à la 65e minute, 1-0. Puis, un 2e. Les joueurs de l'équipe de Moussoro se réveillent et multiplient les actions. Ils parviennent à réduire le score sur un penalty, 2-1. Quelques minutes plus tard, les joueurs de Moussoro égalisent et marquent le 3e, 3-2. C'est sur ce score que l'équipe de Moussoro gagne son premier match face à celle de Moundou.
La Télé-Tchad continue sa série de dossiers sur le bilan de l'année 2017. Aujourd'hui, Naïm Amat Baba nous situe sur l'aspect diplomatique. À suivre le dossier juste à la fin de ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie.